président Elia Joe Biden qui déjà lui-même lancé avertissement par l'administration sortant, donc Donald Trump là, pour dire que il a intérêt à coopérer avec l'équipe transition pour être capable de avoir une idée sur la façon de combattre la pandémie COVID-19 là. Donc c'est l'actif et boulet. Le président Donald Trump pendant la journée lundi 16 novembre là, bon, il pas fait aucun déplacement pratiquement dans la Maison Blanche, donc il fait toute journée, passe toute journée dans la Maison Blanche. Il était normalement et puis il était font tweet tout sur la pour te dire que il a fait vaccin a parlé assez bas et c'est réalisation pas par monde qui capable venir prendre crédit sur un vaccin que compagnie et Pfizer annoncé avec Moderna, deux compagnies secrètes annoncées semaine dernière là, que gain un vaccin qui est presque préparé, qui est presque disponible, et que très bientôt, d'après l'administration, il va commencer à faire ça aller en vaccination en masse. C'est-à-dire que, bah, tout le monde qui est possible, qui va, bah, un vaccin contre le virus COVID-19 là. Monde qui dit hola, hola, hola. Monde qui dit bonjour, bonjour. Méran, Oscar, pour essayer de nous dire bonjour tout. Alors ça qui est plus dans l'actualité, c'est surtout alors sinon en Haïti, nous connaissons en Haïti qui a actuellement un nouveau directeur général AI Police Nationale là, c'est ancien ambassadeur Haïti dans l'OEA et Léon Charles, qui était un ancien, qui était tout lui-même tout ancien directeur Police Nationale là, ça gagne 15 ans, donc c'était en 2005 l'élite quitté l'institution. Donc il était venu à Washington et c'est là que il était ben qu'on y a c'est lui-même qui est nouveau et directeur général police nationale là. Alors pour lui n'a pas que dans l'installation que premier ministre Joël Jouté fait, il a installé là mais il était dit que il était bali une feuille de route côté libal objectif lui c'est pour combattre l'insécurité pas que monde cap chercher prendre contrôle et situation li parce que lui-même en tant que premier ministre il t'a amené ouais pour lui-même pour qu'elle capable déplacer à côté l'idée il dit à le danser ti souite ou bien à le danser on sait de bandes musicales etc. mais t'a amené sécurité pour que famille haïtienne et les vieux capable retourner l'école et tout le monde ça peut capable donc ça c'est consigne que et premier ministre Joël Jouté t'es bali comme feuille de route donc sans perdre du temps, tu as gagné Sandré Léon, une sorte de conseil et CSPN, donc c'est conseil CSPN, c'est conseil police nationale là, conseil supérieur police nationale là, et bien, ils font une rencontre extraordinaire avec participation partie concernée. Et bien, côté, tu as certainement discuté de questions qui ont pour la sécurité et qui gèrent que nouveau directeur policier va le travail pour que l'IBA résultat que gouvernement avec population attendent. Et bien, hier soir, et nouveau directeur, mais monsieur était dans l'arrière, toi avec le ministre de la Défense, là, côté que il était dans l'arrière et à travailler avec le ministre de la Défense sous sécurité, l'autre membre police nationale à tout. Et dans la déclaration qui était faite, était clair dans l'objectif pour te dire que lui-même, il va travailler pour la satisfaction et que lui-même, tout objectif, c'est ouais, qu'il y a une population capable de continuer à évacuer avec activité. Donc, c'est comme ça que le directeur police t'es parlé dans la rencontre qu'il t'a fait avec les journalistes hier soir. Ah, hier soir, bien entendu, après avoir participé dans réunion d'urgence, et CSPN a été fait, et qui était certainement, et pour te parler, de objectifs qui côté lié, qui côté pays à qui côté parler, mais, et matin encore, ils ont encore été faits dans l'Académie Police Nationale, là, dans Pétionville, donc, dans mon frère. Côté qu'elle te dit, il parler avec eux, il parle chercher, motiver eux, et ils connaissent que pas grand, ils pas en pile, c'est vrai, mais ils parlent motiver pour eux même tout le travail, coude à coude, parce que problème, ils ont ces problèmes là. Et bien, jusqu'à matin, à partir de 10h, ils étaient déjà rencontrés, ils déjà fait que te voient parler avec les membres de l'Institut de police nationale là, qui étaient réunis dans l'Académie de police là, dans notre frère. En plus de ça, de travail ça que le directeur général de la police a fait gagner tout le gouvernement, tout nous rappelons qu'il a fait des nominations parce qu'il était nommé d'abord directeur police national là, qui jusqu'à avant hier était toujours représentant Haïti ou bien ambassadeur Haïti dans l'OEA. Mais le gouvernement font passer maintenant dans le corps diplomatique là. Côté que fait 12 nominations, et qui c'est là dans eux, qui c'est des ambassadeurs qui ont dans un pays étranger. Camille Younalen, c'est ancien ministre des Affaires étrangères là, Edmond Bokchi, qui lui-même c'est actuel représentant Haïti dans Washington.
dans Washington, ambassadeur d'Haïti dans Washington, Edmond Bourchi, qui déjà, c'est un ancien, qui était déjà contre dans Washington parce qu'il était représentant Haïti dans l'OEA. Avant qu'il était voué à Londres comme ambassadeur, ensuite il était retourné en Haïti comme ministre des Affaires étrangères, et Kounia, c'est lui qui actuellement travaille, représenté Haïti, et auprès du gouvernement américain dans Washington DC. Alors, poste ça, que le gouvernement a nommé, les 12 nouveaux ambassadeurs, c'est d'abord ambassadeur en Argentine, Brésil, ambassadeur à l'UNESCO, une en Chili, Mexique, gain dans Qatar, Belgique, Cuba, gain une en Saint-Siège, et puis gain la Grande-Bretagne, et puis Genève, et puis dans Washington. Donc, ces nominations en pile, non, alors. Quelques ambassadeurs, c'est des ambassadeurs plénipotentiaires. Et donc, plénipotentiaires veut dire que l'ambassadeur doit prendre des décisions sans que, au fond, techniquement, il n'y a pas besoin de consulter le gouvernement pour être à prendre ces décisions. C'est la différence qu'il y a un ambassadeur plénipotentiaire avec un ambassadeur, tout simplement. L'ambassadeur, normalement, tout simplement, il n'y a pas de décision d'obliger à relayer et ministre des Affaires étrangères pour consulter sur une décision que le pral prend qui concerne le pays d'Haïti. Mais l'ambassade plénipotentiaire là, lui-même n'a pas besoin de ça, lui-même parce qu'il a le pouvoir pour lui prendre des décisions. Bon, bien sûr que des décisions qui n'ont été payées, mais il n'est pas obligé de consulter le gouvernement dans ce sens-là. Et puis nous connaissons que la grande actualité qui est fixée pour le 18 novembre. Non? Demain, on approche l'anniversaire, c'est pas trop, c'est 217e anniversaire et bataille vertière. C'était 18 novembre 1803. Donc, mercredi 18 novembre, on a fait 217e anniversaire bataille vertière. Avec une occasion, il y a plusieurs branches dans l'opposition, dans l'opposition plurielle là. Il y a chaque annoncé manifestation contre nous seuls. Manifestation contre le pouvoir. Et chaque, en fait, il y a qui dit qu'il y a une manifestation au niveau national, et dans tout le côté du pays, mais dans Port-au-Prince, manifestation, c'est une manifestation qui est annoncée et qui peut normalement finir. Il y en a d'ailleurs fini devant l'ambassade et américaine, non, qui est dans tabac. Pendant que il y a qui dit que qui pas d'accord pour que manifestation pour que y a le manifester devant ambassade américaine, mais il y a l'autre qui dit oui c'est la manifestation a fini, et au calculer que a bien plusieurs branches manifestation qui a venu qui a rencontré et qui a milité directement devant ambassade américaine. Nous pas on tient ça va le passer, mais il dit que déjà avec la police, il que la police peut être par parcours et manifestation qu'a dit là, mais c'est plusieurs, c'est au pluriel, c'est plusieurs entités dans l'opposition, c'est pas une seule voix à faire, mais plusieurs, chaque monde a organisé manifestation par eux, et chaque entité il dit que il y a une approbation ou bien un support l'autre et membre dans l'opposition ou bien organisation politique ou bien organisation populaire qui les unit avec eux pour organiser manifestation ça. Donc c'est ça, et puis je dis à tout le monde, route nationale numéro 2, de ça, la route Carrefour a été bloquée, un groupe qui était bloqué, qui était bloqué, le dit c'est peut-être déjà pour protester, pour être manifesté. Nous n'avons pas trop de détails, cependant, magistrat intérimaire mais Carrefour, qui t'a parlé avec une radio, une station, en fait, affiliée nous, affiliée celle que la radio Télé-Caraïbes. Mais il te dit que gagne un employé qui prend balle, mais c'est pas une balle qui danger son blessure là, pas vraiment la vie mon pas en danger, et là il t'a parlé avec Radio Télé Caraïbes, là il était dans l'hôpital général quand il t'a pas annoncé que employé a pas de problème qu'on y a parce que la ville pas en danger. Donc ces manifestations ça qui gagne c'est pendant qu'on l'autre levé campé encore qui dans centre-ville dans plus ou moins dans direction nord sud dans direction sud et capitale là, et alors direction sud mais direction est qui peut être dans un parcours en haut, une zone côté et faculté sciences humaines, dans zone ça zone qui a un groupe monde qui est à météo envers en habillé au pays où t'es couché dans la ria, mais d'après ça la presse dit sur question ça c'est pas tombé violent, et puis et la police était là, t'es sur place pour t'es certainement convaincre
nécessité pour pas bloquer circulation dans l'arrière parce que mon était couché dans maintenant l'arrière peut-être pendant la parole là c'était probablement et mon gars qui est fin faire passer message par monsieur des monde tout cap protester contre insécurité à tout. Donc c'est comme ça situation pratiquement les kounia et puis pas oublier bateau courant électrique nous t'ai parlé bateau tuc cap vinn van Haïti courant électrique que l'état ici semble en intention si un contrat avec eux et ben c'est deux bateaux il y a un bateau cap accosté dans capitale là et puis l'autre là pas accosté dans le dans cap haïtien qui peut l'alimenter et cap haïtien avec ville à zone alentour avec courant électrique tout comme tout bateau ça tout gagne une cap accosté dans port et dans Port-au-Prince pour alimenter capital là mais jusqu'à présent bateau pas arrivé et pour parler à continuer négociation ou encore institution l'état qui là pour gérer ou bien pour garder et si tout va bien bien sûr à travail puis c'est un prévu approbation et nous te dit que président Jovenel Moïse était parlé avec président Turc là et président Turc qui a Recep Tayyip Erdogan et tu parlé dans les deux parties tu dit que c'était un contexte futur qui était bon résultat que tout le monde apprécié façon de leader tu parlé tu gain conversation de leader tu gain ensemble voilà moi tu crois que c'est comme ça et n'a pas bloqué les 12 postes et passé mais que gouvernement fait dans ambassade là ou bien dans mission gain à l'étranger gagner c'est d'abord nomination faite pour ambassade d'Haïti en Argentine, Brésil, UNESCO, Chili, gagner Mexique, Qatar, Belgique, Cuba, le Saint-Siège, donc Vatican, gagner la Grande-Bretagne, Genève et puis gagner non Washington, c'est nommé, c'est là que le gouvernement fait passer mais dans administration en plus de du nouveau directeur général et AI police nationale là. Alors, d'après la constitution, ambassadeur, ça a été doué jouer une approbation. Sénat a été doué lui-même, c'est lui-même qui a doué approuver le choix. Mais nous connaissons que depuis pratiquement 13 janvier, pas gain au Sénat, donc le président seulement fait un décret, puis il a seulement nommé ambassadeur qui était certainement dans le jour qui venait là. Si pas gain déjà qui prend poste à l'étranger, mais nous connaissons par exemple, nous connaissons une qui déjà à l'étranger, qui déjà dans le poste. C'est ambassadeur et Bokchi et Edmond Bokchi qui lui-même est installé depuis hier donc depuis lundi 16 novembre non dans Washington DC. Hier moi nous t'ai contenté ouais Jacqueline qui t'a fait chelba avec nous et nous on connaît nous toujours content ouais lui et lui-même tout content parler avec nous donc certainement je dis à qu'on a bien pour nous avec lui nous gardons bien pour nous causer avec encore parce que la vous venez dire nous qui sera présenté dans le journal radio sous télévision. Et si nous t'ai raté live, Facebook live, nous, hier, pour garantir live à 4h, effectivement, t'es live. Il était en direct, mais t'es gagné des difficultés techniques pour tes spectateurs nous gagnent sur Facebook ou bien nous gagnent sur l'autre réseau, yo, qui pas de carré programme dans direct, mais il était vraiment direct. Mais je vous dis, quoi, les difficultés techniques que t'es gagné, t'es probablement la résoudre et que y en a toujours. Et vous êtes tout capable de programmer en direct à 4h sur Facebook. Préparez-vous, faites programme, arrangez-vous pour que vous branchez sur nous. Même si vous ne pouvez pas mettre la poêle quand même. Mais moi-même, je préfère que les Noël en direct, parce que ça m'a gardé qui j'ai nous-mêmes, nous tous, nous interagi entre nous-mêmes sur nouvelles que les collègues, moi, frères, petits frères, je dis pas, je suis un peu grand. Donc, collègue, mon frère, alors, je dois dire, boss, mais tout, parce que c'est lui qui vous dit, mais ça me fait faire, ça a besoin de faire. Donc, il n'aime pas faire de façon Léa. Il aime cadeau qui est sacré pour venir à les oreilles, moi, il dit, bah, sacré pour venir à les oreilles, moi, mais quand même, en tant que collègue, nous parler avec nous respecter l'autre, quand même. Ouais. Donc, c'est ça qui fait qu'on travaille, on avance, parce que nous, on a fait une bagaille. Nous devons même discuter. Même je dis nous bonjour, bonsoir, je suis content de parler avec nous. Et puis, pas oublier, le problème de sécurité est toujours en Haïti. Donc, tout le monde a géofixé sur le nouveau directeur de la police nationale là, pour essayer de voir le résultat que le Premier ministre a Bali nommel pour lui faire. Est-ce qu'il a le résultat? Et c'est ça que tout le monde attend de nouveau directeur qui promet pour le résultat.